Pour les nouvelles lignes proposées par le métro, nous avons en étude réalisé environ 25 km d'extension de métro en étude avec 24 stations. Il s'agit de l'extension de la zone ouest qui va de la station Place des Martyrs en passant par Bab El Oued, Elbiar, Châteauneuf, Chevalet jusqu'à Chevalet. Et de Chevalet, il y a une bifurcation avec deux branches. Une branche qui continue de Chevalet vers Cheraga ou Led Faït, et l'autre branche qui va de Chevalet vers Deir Ibrahim, l'Achour Dalaria. Cette partie en étude, elle a été finalisée et validée par la CNED. Nous étions en attente de financement. Nous avons reçu une première tranche pour la réalisation de la partie génie civil pour une station, qu'il s'agit de la station Talba Abdelrahman, avec 500 mètres de tunnel, avec des travaux préparatoires pour 2 km encore de tunnel au-delà de la station Talba Abdelrahman et deux stations. Il s'agit de la station Trois Horloges au centre de Bab El Oued et la station Trioli, qui va faire correspondance avec les deux lignes téléphériques existantes. Donc, cette partie, nous avons eu le financement pour la partie génie civil, donc la première tranche cette année, et pour les deux autres stations, c'est pour l'année prochaine, en travaux de génie civil. C'est un petit peu pour cette année l'objet de l'appel d'offres qui a été lancé, ça fait 2 semaines, pour la réalisation de 500 mètres de tunnel, une station souterraine Talba Abdelrahman et des travaux préparatoires pour les autres stations de Trois Horloges et Trioli. Les délais moyens de réalisation d'une station de métro, c'est à peu près entre 3 et 4 ans selon la complexité de la station et l'endroit où elle se trouve. Ces délais ne sont pas cumulables, donc même s'il y a 10 stations à réaliser, c'est toujours le même délai, puisque c'est des équipes qui seront multipliées. L'extension du métro au-delà de Dalbeda, nous sommes en train d'envisager pour le lancement des études pour cette partie. Il s'agit d'une extension qui, normalement, on verra, qui passera par, normalement, qui va aller jusqu'à Hammadi en passant par Al-Hamis. Mais ça, c'est une extension qu'on va lancer pour bientôt les études. Bon, dans combien de temps? Je ne peux pas vous donner un délai directement parce que ça dépendra des financements. Aujourd'hui, comme je vous ai dit au départ, nous avons les 24 km qui sont étudiés avec 24 stations, le délai de réalisation dépendra des financements qu'on va avoir.